Bonjour, à Candé, les jardins familiaux, c'est une institution. L'association a été créée en 1942. Elle compte aujourd'hui 72 adhérents qui jardinent sur trois sites de la commune, Saint-Gilles, La Solaye et la Vigneuse. Les jardiniers louent à leur convenance des parcelles de 50 à 200 mètres carrés. Des pommes de terre, des haricots, des choux, du poireau, des carottes, enfin de tout. Comme du céleri. Alors, vous avez pas de jardin chez vous ou c'est plus pratique? Ah non, j'en ai pas, moi. Eh ben voilà, d'accord. Et la terre est bonne, tout ça? Il y a tout oui, ce qu'il faut. Oui, ça va, on n'a pas de problème pour l'instant. L'ambiance est bonne. On se plaît pas. L'ambiance est bonne aussi, ça va. Oui, l'ambiance est bonne aussi. Oui, ça, c'est déjà une bonne chose. Le principe, c'est d'avoir un terrain disponible qui ne coûte pas très cher. Parce que ça coûte pas cher, hein. Il faut pas 32,80 les 200 mètres carrés. C'est pas à cran avec qui je collaborer beaucoup, ils sont à 70 euros. C'est pas la même chose. Il m'en a conseillé, oui, mais il faut jamais aller conseiller quelqu'un qui ne veut pas. Parce que ça, c'est. La dame qu'on a vue là-bas, une année, je lui ai dit, mais elle plante des céleri boules, ils sont à save. Moi, je les mets comme ça. Et puis, je paille alentour. Quand j'arrose, il n'y a pas d'évaporation. Elle ne paye pas. Alors bah, elle a des petits céleri boules qui sont gros comme ça, puis moi j'en ai qui sont gros comme ça. Il y en a d'autres qui sont capables de donner des conseils aussi. Hein. Il n'y a aucun problème. Dans les anciens, en général, ils savent jardiner. Hein. Et l'association aimerait désormais attirer davantage de jeunes. Trouver des jeunes. Non, on n'en trouve pas, malheureusement. J'y crois pas. Il y a plusieurs années qu'on se dit bah, les gens ils prennent de plus en plus dur. Ils viennent pas. Mais ce qu'ils voudraient faire, c'est des choses qu'on n'a pas été habitués à faire et puis que moi je suis pas trop d'accord. C'est des jardins partagés qu'ils appellent. Mais c'est bien, à condition qu'il y en a un qui sème et puis que ce soit l'autre qui récolte. Alors là, je suis pas d'accord. Hein. On avait pris. Trouver une jeune fille à la Toussaint là, qui avait 20 ans environ. Elle est venue nous rendre la clé et elle ne veut plus jardiner.